Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là on se retrouve sur le petit étang à côté de chez moi. Il fait une dizaine d'hectares pour faire un petit coup du soir. Il est un peu plus de 15h. Donc ce matin je suis passé avant le lever du jour de jeter 3-4 poignées sur le spot. Donc là je viens juste de lancer les cannes sur ce spot et j'espère dérouler. Donc je vous fais voir un peu les montages que j'ai utilisés pour cette pêche en longue distance parce qu'on est à plus de 110 mètres. Donc pêche en longue distance, les montages, et s'il y a du fish, eh ben, je vous reprends tout de suite après. Allez, à tout à l'heure. Voilà l'étang. Un joli petit plan d'eau, une dizaine d'hectares. Là-bas en face, vous avez un sol pleureur et je pêche à 15-20 mètres du bord. On a à peu près 110, 120, entre 110 et 120 mètres. Là, on a 120 mètres et là-bas, on a 110 mètres. Donc, j'ai jeté des billes ce matin très tôt. J'ai jeté 4 poignées de billes sur cette longueur. Et maintenant, je pêche dessus. On va bien voir si ça déroule. Voilà. Petit coup du soir, petite pêche rapide, quelquefois prolifique, quelquefois non. Donc j'espère qu'il y aura du fish. Allez, à tout à l'heure. Voilà, premier poisson du coup du soir, magnifique miroir, couche parfaite, super poisson. J'ai pas pu allumer la caméra au début du départ, mais vous avez une partie du combat. Allez, je vais la remettre à l'eau. C'est à 8 kilos. Bientôt. Je vous fais voir un peu le montage avec lequel j'ai fait cette carpe. Tout d'abord un plomb. Je suis sur une arrachée conique qui démarre en 60 centièmes, elle finit en 24 centièmes. Arrachée conique, hein, c'est dans le rayon mer, hein, pour les tirs à longue distance. Une perle.
Donc je la prends pas dans le trou, je la prends à contresens. Comme ça bloque bien les hameçons sur le fil. Donc la petite perle. Et après, sur le haut, j'en mets deux. Comme ça, ça évite que ça recule. Parce qu'une seule, ça a tendance à avancer sur le fil. En mettant deux, ça évite que l'hameçon fait bouger cette perle. Donc voilà. Là, ça permet à l'hameçon de coulisser sur le fil. Donc, si le poisson donne un coup de queue, eh ben, ça fait avancer la bille. Si vous voulez, ça monte en l'air comme ça, c'est flottant, hein, les petites mousses. Et du coup, ça permet de circuler sur le fil. Donc un excellent leurre pour attraper les carpes. Donc je relance tout ça et puis je vous reprends s'il y a du fish. Allez, à tout à l'heure. Yes, deuxième poisson.
Deuxième poisson de la soirée. Un coup d'huissoir qui a été productif. Donc très peu d'amorce, un débouillet de ce matin. Et voilà le résultat. Petite mousse en chaud de rig. Nickel. Allez, à bientôt les amis. N'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, hein, c'est la fin de la journée. Donc j'espère que ça vous a plu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'avoir des tutos sur des montages ou d'autres vidéos sur d'autres sujets, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur la page. Sur la chaîne, pardon. N'hésitez pas à laisser des commentaires et puis abonnez-vous. Allez, à plus tard. À la prochaine vidéo. Au revoir. Et voilà.